En début d'année 2019, Sea Shepherd a mobilisé 4 bateaux pour attirer l'attention du public sur les menaces qui pèsent sur les dauphins du golfe de Gascogne. Cette campagne, baptisée Dolphin Bycatch, a eu un impact médiatique considérable, avec plus de 120 articles ou reportages dans des médias du monde entier. Grâce à ce battage médiatique et aux actions de sensibilisation à terre, de nombreux Français ont découvert l'impact négatif de certaines méthodes de pêche et leurs conséquences sur les dauphins qui résident au large des côtes françaises. On a la sensation que finalement il y a une régulation, une protection, mais quand on voit ça, on voit que c'est pas le cas. Je suis choqué là. Vous saviez qu'en France ça arrivait ? Non. Cette attention soudaine n'a pas plu à certains pêcheurs, mécontents de voir leur méthode de pêche remise en cause. Nos équipages ont été victimes de nombreuses insultes et tentatives d'intimidation, certaines de ces dernières pouvant être dangereuses pour la sécurité de nos équipages. Mais certains pêcheurs, dégoûtés des pratiques de leurs confrères, ont brisé l'omerta qui règne dans ce milieu et sont venus nous parler. Ils nous ont révélé quelles étaient les pratiques illégales couramment rencontrées à bord, le manque de respect pour les océans et les contrôles quasi inexistants des autorités. En plus de détruire les océans, nombre de ces pratiques sont néfastes aux marins pêcheurs eux-mêmes. Ils cachent un cul de chalut avec des mailles qui ne sont pas réglementaires, ils le cachent bien au fond d'une caisse, et puis entre deux marées, le temps de faire la route, on change le cul du chalut, on met celui qui n'est pas réglementaire, on ramasse tout ce qu'on peut, et puis au cas de contrôle, tout de suite, hop, les marins ramènent le filet pour remettre la maille réglementaire. Ces témoignages bouleversants renforcent notre détermination et c'est pourquoi nous sommes de retour pour maintenir la pression sur les politiques et les pêcheurs afin de dénoncer ces pratiques et pour que des solutions durables soient trouvées. Pour réussir cette mission, nous avons besoin de votre aide.